sum chơi những cái chỗ ông xin được ra cả một tổ về tầm đa ca này tại vì thì tầm đa ca hay tam cao vị phi tầm đa ca đại bàn cùng túc nập được ni nhưng một tổ là cái tầm đa ca sẽ đập sẽ đẻ thà thị bài đã bỏ phi kỳ về từ vì cả việc đấy trong ca cắt thông cầu từ lừa mật tệ chấm tỏ để cái tỏ và chấm pu đã mình đang gặp bạn vini mùi chấm nôn để nơi sơ sơ hơi nâng cao trả lời tỏ mà vinh đời mình từ vi nhẹ nằm nang ở đời mình đang gặp bạn vini này một nâng đầm đa ca để tệ vị thi ông nhầm ra xong chúng điệp chút đồng năng đò thị kỳ với bàn triệp ông pi cách ca xâm rạp thư bần tó bần tó pi đồng nà ca bật bật tư này cả đập kỳ kỳ đánh đau chấm pu bị sông tăng luôn đang mà đang rập lại bên đi để miền pành hà tỏ và vì kỳ kỳ mới được vì cà phê khơi đầy nơi bậc ni ông chấm chấm ra nâng mình chọc nơi cà chấm to chấm pu bị sông tăng luôn để đang mà đập bên đi nâng cho lại top để nâng cà chấm to nổ được chưa này ông chấm ra nâng sơn áo sông ở kỳ kỳ vừa sực đây sơn đặt than đây sừng khai thật ta đã mở đăng đọc vấn đề biến thức được khả năng ca xua đó chuyên chập trao nâng xạ xây để ban có hai một phần đó thật khai cắm ổng pi ở tại trời đất rồi bỏ chuyên chập trao đại lý tì ông chùm rè nâng phần đó pil ở dạ bề nhá đọc nửa tí mê tử vi đọc nàng đang đọc nửa tầng buôn crom sai xâm nửa tí mê tử vi ca phía khá đấy sai xâm nửa tí không cả vừa bật bằng hai nhưng sẽ gây sơn đặt than nó bật luôn bọn tòa pi sầm ra đảm bảo thưa cả phía xa ông nhầm ra nâng chu đầm nâng ông pi sẽ gây sầm ra tệ tương từ nâng pành hà khang lớn đi thật ta mệt vì đầm nang đau một đầm ní nâng trai anh nhát ao suốt đo chuẩn chập chao nâng xạ xây tệ tương từ nâng tại trời đất đã bật chuẩn chập chạy được chuẩn chập chao đại tỷ hay bật tòa nó cứ sầm núa đó chúng tập chót nâng ẩm pi ở tạ chở đất đó bắt quát nâng trời chạp ở đàm hay phanh hà mùi tiết đầy xa miền phanh hà cả làng chìa chân cả pi sạm nạ ca thằng ngày một sờ mình ông nhầm ra xong thư sẽ cái đây nè nôm pi ca cầm nót ca bà địch hết đã phó tăng chỉ ai cả xa bằng thêm rồi bỏ đời mình đang rập đạo bình nì ông chùm ra sẽ là tập bốn xôm dùng từ lực lực lăng rồi bỏ mê tử vi đầm nàng đời mình đang rập đạo bình nì để bàn lực lăng để tôi mất được nóng ông lòng phê sạm nạ ca ngay thì bà phê bà môi khai thầy hai chân nằm bì bà bà bốn chùm vinh cô bà non nóng cả đại chún đó ông chùm ra nơi phó tăng chỉ ai cả xa bằng chiếc ẩm bì phía bẹp bọn này bịa xong tăng luôn chạy đời mà đang đọc vào vị ní nâng chôn nông cửa nông xôn nông rương lên xôn xôn muối muối chùm luôn để trở bàn to và đời mê tử vi ca phía khá đấy ẩm bì phía bẹp bọn thằng này đảm bây ai ông chùm ra miên một thang cực con nông ca bị nứt nâng xâm rạch từ lỡ bịa xong tăng luôn chạy đời mà đang đọc vào vị ní để trở bàn to và thằng nốt có đôi chì đảm bây thì ní đỏ đầm nào ca sạm nà cả ở ban chập ra ha nâng bạc cọp đòi phìp dịch thô nụ ong chú nôm chùm rách ta là tập bốn xôm thư ca nè nôm đôi khẳng cọm đi mùi hiệu kỳ đơm mà đang rọp đâm đi tiền lại ná đèl bị xôm tăng khuôn dịch đơm mà đang rọp đâm đi bạc khuôn trạc ban chùm tốt tò và bị phiếp sổ rộp cho bạc nông ca xôm tăng khuôn dịch đơm mà đang rọp đâm đi nô xôm đại chùn phó tăng chị ai cả xa bằng thêm đo ong chùm rách đầm bay bằng chiếc ampi phìp cho bẹp bòn chẳng lai rồi việc đầm mà đang gặp rồi ní nâng chôn đồng cua
ในสนมเรื่องเลยโซนโซนมวยปีประสันอาชวยตะบานุโสมเพียกีดามดังรอบแบบนี้ดะนึกพอตังที่ไอกระซาถึงนุดอลอองจุ่มเรียยังอยู่บนพอดตรำทั้งไงประหัวที่ใบแค่กันยาชนำปีปอนประมวลเวลีมองดอกประมวยหนึ่งสามสับเนตีที่ใครเป็นต่อยังมองไปในกิจการบางอย่างโจมกดำเนินการในกาบิพิษาดังดาวแก่ปอนจะมีหนึ่งจุดตัวต่อว่าหรือเปล่าไม่ตัววีกาเปียกก็ได้จมพัวเปียกดังสังตังคลุนจะดังดังรับแรงดีมือจมนวลอันเชื่อหรือไม่ดำนางสาเวนยะชูว์ merci monsieur le président madame et messieurs les juges je voudrais demander l'autorisation d'intervenir une minute concernantJustement, les questions qui seront posées à l'accusé sur sa personnalité. สมโลกประเทศจีนช่วยดำนางสาปริญญาอันตรายจีน merci lundi dernier le co-procureur adjoint William Smith était venu demander à la chambre était venu vous entretenir justement de la période du délai durant lequel les co-procureurs pourraient poser des questionsà l'accusé concernant sa personnalité. À ce jour, nous n'avons pas encore reçu de réponse de la Chambre et nous souhaiterions insister auprès de votre Chambre pour connaître la durée qui nous sera allouée, notamment pour pouvoir préparer convenablement les questions à poser.Je voudrais insister sur le fait qu'il s'agit de la dernière possibilité de poser des questions à l'accusé concernant sa personnalité et sa responsabilité. C'est donc essentiel pour l'accusation, mais sûrement aussi pour les autres parties, ainsi que pour la manifestation de la vérité et une bonne administration de la justice.Alors, nous n'ignorons pas que lundi, deux témoins experts viendront témoigner pendant un jour et demi et que les dates d'audition de ces témoins seront difficiles à modifier. Mais toutefois, nous voudrions suggérer que si les questions qui sont posées probablement cet après-midi à l'accusé n'ont pas été épuisés tant par votre chambre que par les parties, que cet interrogatoire puisse se poursuivre au-delà de l'audition de ces deux experts lundi et mardi. Donc j'insiste une nouvelle fois pour qu'un temps suffisant soit consacré aux questions qui seront posées à l'accusé.Tant pour les coprocureurs que pour les autres parties. ยังพยมเรียบจำสมนัวอับานกรุบกร้อนหนึ่งจำสลบสู่ตะการจนจบชาร์ตก็โดยจีกาบดาวเปเปเลียตะการเพียกีบเซนเตียพอได้สมอกุลอกุลนำนางท่าปิญญาอันตรายจิตได้มาดำเนินปีปัญหาดียมน้องเนียมเทียนองยมได้ลาตะบงสมดำเนินดาวจมปูลูกนำนางท่าปิญญาอันตรายจิตท่าองยมได้มันพลิจีในอวัยได้บานเลือกลางได้ลูกนำนางสาวเรียาวิลเลียมสมิธอมปีกาซมกำหนดระยะปีในกาสู้ต่อจุนจับเจ้าเปียปอนจมวยหนึ่งกาสะสู้อมปีอาตะเจริญระบบจุนจับเจ้าโนคือกอดอายกอดสมปีมวยเมาไอเตอร์มวยเมากระละไอองจมแรกพิจารณา
ហើយការពីម្សិលមិញគឺអង្គជំរះក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហានេះដើម្បីយកមកពិភាក្សាដែរប៉ុន្តែហេតុដែលនាំឲ្យអង្គជំរះមិនទាន់បានជម្រាបជូនដំណឹងដល់លោកបានដោយសារព្រឹកនេះអង្គជំរះត្រូវស្ដាប់ភាគីអំពីសិទ្ធិចូលរួមរបស់មេធាវីតំណាងឲ្យដើមរឹងរបនេះថាតើគាត់មានសិទ្ធិតាំងសំណួរដល់ជំនុំចាប់ចោតនិងសាក្សីដែលស្នើឡើងដោយ មេធាវីការពីក្តីអំពីអត្តចរិតរបស់ជនជាប់ចោតនោះដែរឬអត់នេះវានាំឲ្យមានការប្រែប្រួលប្រសិនបើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំរះទៅវាខុសវាអ្វីដែលយើងជម្រាបជូនដល់លោកជាមុនពេលសម្រេចអំពីថាតើមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសួរឬក៏គ្មានអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌវាអាចខុសគ្នាបើសិនជាមានពេលវេលានឹងអាចត្រូវការបែងចែកផ្សេងហើយបើគ្មានទេគឺពេលវេលាអាចបែងចែកផ្សេង ប៉ុន្តែយើងបានករណីរួចហើយបឋមនេះយើងជឿជាក់ថាសំណពររបស់តំណាងថាប្រញ្ញាដែលបានលើកឡើងនោះគឺជាការសំត្រោបមួយអំឡុងពេលចន្លោះពីមួយម៉ោងទៅមួយម៉ោងកន្លះនោះគឺអង្គយមរះនឹងពិចារណានៅក្នុងកម្រិតណាមួយដែលសំត្រោបដោយគិតគូរអំពីតុល្យភាពអំពីរវាងភាគីទាំងសងខាងទី2អង្គយមរះសូមជម្រាបជូនដំណឹងថា រដ្ឋភិគីថាការវិភាកចំពោះការស្ដាប់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីអ្នកជំនាញពីររូបដែលក្រុងធ្វើមួយថ្ងៃកន្លះថ្ងៃច័ន្ទនិងព្រឹកថ្ងៃអង្គារនោះអង្គជំរះមិនមានព័ត៌មានអ្វីក្នុងការកែប្រែឲ្យខុសពីការវិភាកដែលបានកំណត់នោះទេពីពួកការវិលាននេះយើងកំណត់ទៅតាមសំណើសុំយ៉ាងទទូចរបស់អ្នកជំនាញដែលពេលវេលាគាត់មានតម្លៃគាត់បានកំណត់ជាក់លាក់នៅក្នុងការ លទ្ធភាពដែលគាត់នឹងអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសកម្មភាពរបស់យើងដែលឡែកបញ្ហានៃការសាក់សួរអំពីអត្តចរិតរបស់ជនជាប់ចោតដែលយើងគ្រោងធ្វើបន្ទាប់ពីដំណើរការសកម្មភាពរបស់យើងនិងការស្ដាប់នៅការកត់សម្គាល់ឬក៏ឯកសណ្ឋានរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការសួរទៅដល់ជនជាប់ចោតឬក៏សាក់សីដែលបញ្ជាក់អំពីអត្តចរិតរបស់ជនជាប់ចោតនេះគឺយើងបំណងក្នុងការរៀបចំនៅរសៀលនេះ ក្នុងករណីដំណើរការប្រតិបត្តិទៅមិនចប់ទេយើងនឹងលើកទៅបន្តដំណើរការសកម្មការក្រោយបន្ទាប់ពីពេលស្ដាប់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏របាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញពីររូបគឺនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារអញ្ចឹងពេលវេលាសម្រាប់ ការជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភាគីជាពិសេសគឺតំណាងសហប្រញ្ញាដែលស្នើសុំប្រហែលជាមិនទាន់យឺតពេលទេច្បាស់ទេលោកតំណាងសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិ Parfaitement, Monsieur le Président. Donc, nous attendrons votre décision définitive concernant le temps alloué après les débats de ce matin. Je vous remercie. ជាកិច្ចបន្តសូមអញ្ជើញមេធាវីការពារក្តីឡើងធ្វើអធិប្បាយអំពីហេតុទាំងឡាយនៃការតវ៉ាជំទាស់ទៅនឹងវាសុំតាំងខ្លួនជាដើមដឹងរដ្ឋប្រវេណីមួយចំនួនដែលនៅសេសសល់គឺនៅសល់ចំនួន 6 រូបនេះគឺនៅសល់ទាំងស្រុងហើយនៅសល់មិនទាន់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការឆ្លើយតបបានគឺ EP ស្លាស់ 77 ដែលជាដើមរងរដ្ឋបវេនីក្រុម 2 Merci monsieur le président, bonjour monsieur le président, madame et messieurs les juges.
C'est le dossier E283 qui restait à traiter avant les autres dossiers, cinq autres dossiers qui appartiennent au groupe 1. En fait, le dossier E283 concerne Mme Ong Savat, c'est le groupe 2. Qui n'a pas encore été abordé. Et qu'il me soit permis, Monsieur le Président, de dire s'agissant d'un dossier du groupe 2 et donc de notre consoeur Maître Stuzinski, que du côté de la Défense, nous souhaitons un grand rétablissement à Maître Stuzinski. Nous sommes désolés de Mme Ong Savat. La plaignante parle d'une photo, mais la seule photo qui est au dossier est visiblement une photo qui n'a pas été prise à Tuol Sleng. Donc, nous n'avons quasiment rien. C'est la raison pour laquelle nous avons objectifs. Merci, Monsieur le Président. មិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្ហាញអំពីហេតុផលនៃការតវ៉ាជំទាស់របស់មេធាវីកាលពីក្តីចំពោះដើមរដ្ឋរំនេះEP/73នៅឡើយទេដោយហេតុផលមិនបានត្រៀមខ្លួនដូច្នេះនៅព្រឹកនេះគឺពេលនេះលោកឆ្លើយទាំងពីរតែម្ដងគឺសម្រាប់EP/873 ដែលបានបង្ហាញហេតុផលនៃការដំណោះតវ៉ាបាញ់មិញនេះហើយនឹងEP 76ដែលបានបង្ហាញរួចហើយកាលពីម្សិលមិញហើយមេធាវីសូមដកខ្លួនដើម្បីត្រៀមរៀបចំជំទាស់ដែលធ្វើអត្ថាធិប្បាយឬក៏ធ្វើការបង្ហាញថ្លែងការតបទៅនឹងការតវ៉ាជំទាស់របស់មេធាវីកាលពីក្តីសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំបាទមេធាវីហុងកំសួនជាមេធាវីរបស់ដើមមណ្ឌងរដ្ឋប្រវេណីដែលមានសហមេធាវីបរទេសស៊ីលគីស្ទុតជិនស្គីនិងខ្ញុំបាទជាមេធាវីរបស់ដើមមណ្ឌងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្រមទី4រួមជាមួយសហមេធាវីបរទេសលោកជាអ៊ូលយេស៊ូសូមធ្វើការតំណាងដោយសារមេធាវីបរទេសគាត់មានជំងឺដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមឆ្លើយនឹងលោកមេធាវីការពារតកតងទី1ឈ្មោះ អដាមីនលេខសម្គាល់របស់ដើមម្ដងរដ្ឋនេះEP/77ដែលមានឈ្មោះអ្នកស្រីគៀងសវណ្ណារីម្សិលមិញខ្ញុំបាទអបវត្តមានដោយសារខ្ញុំបាទខំឆ្លើយជួយរកដោយសារលោកមេធាវីគង់វិស័យតំណាងក្រុមទី2គាត់បានជម្រាបជូនដូច្នេះការតាក់ទងរបស់ខ្ញុំបាទទៅរកអ្នកស្រីគៀងសវណ្ណារីលេខកូដ E/77ប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទនៅតែមិនបានជួបគាត់ផ្ទាល់ដដែលតែបានទទួលដំណឹងតាមរយៈអង្គការខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងខ្ញុំបាទទូរស័ព្ទជួបជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីគៀងសវណ្ណារីឈ្មោះលោកសេរីបុត្រគាត់ថាអ្នកស្រីគៀងសវណ្ណារីមានភាពចាស់ជរាពេកមិនអាចចូលរួមបានហើយខ្ញុំបាទសុំការអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងសម្ដីគាត់ថាគាត់បោះបង់សិទ្ធិឬទេនៅតែមិនបានជួបដដែលប៉ុន្តែកូនរបស់គាត់ឈ្មោះលោកសេរីបុត្របានសម្
សុខចិត្តបោះបង់សិទ្ធជាតាមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិយោគរបស់ម្ដាយគាត់ចេញក្នុងការបញ្ចូលឯកសារបន្ថែមឬក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនមួយនេះជាសូមលោកប្រធាននឹងមេធាវីការពារជ្រាបពីការបោះបង់សិទ្ធតាមរយៈគោលរបស់គាត់ទី២ទៀតតទៅជាមួយនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិយោគលេខ ដែលលោកមេធាវីការពារគាត់លើកឡើងពីខ្វះឯកសារចំណងសាច់ញាតិនិងឯកសារបញ្ជាក់អំពីឪពុកមីដែលតកតងនឹងរូបថតនៅមន្ទីរស-២១ដែលមិនបានដាក់បញ្ចូលរៀបធៀបជាមួយនឹងរូបថតដែលនៅក្នុងសំណុំរឿងហើយស្រេចខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលោកប្រធានជាថាម្សិលមិញក៏ខ្ញុំបាទព្យាយាមតកតងបន្ថែមទៀតដែរដោយគាត់ដាក់ឯកសារចូលមកអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះ តាមរយៈអង្គភាពជនរងគ្រោះឯកសារជារូបថតដែលគាត់បានមកនេះខ្ញុំបាទបានបញ្ជាក់ទៅគាត់ថាគាត់បានពីមន្ទីរស-២១ប៉ុន្តែការព្យាយាមទៅរកមន្ទីរស-២១ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីឯកសាររូបថតទៅពុកមាននេះគឺវាមានពេលវេលាខ្លីពេកដូច្នេះគឺខ្ញុំបាទមិនទាន់មានលទ្ធភាពនឹងយកជារូបថតដែលមានលេខសម្គាល់ឬការបញ្ជាក់ជាឯកសារពីប្រធាន នាយកដ្ឋាននេះមិនសារៈមន្ទីរទួលស្ដែងជូនមកលោកប្រធានឡើយដូច្នេះខ្ញុំបាទនឹងដាក់បន្ថែមនៅក្នុងសព្ទាក្រោយតាមលោកប្រធានបានអនុញ្ញាតឬក៏សម្រេចអំបញ្ញមិញនេះឯកសារតកតងពីប្រវត្តិនៃសាច់ញាតិរបស់អ្នកស្រីហុងសវណ្ណនេះខ្ញុំបាទក៏នឹងសុំដាក់ជូនតាមតរថានទៀតដែរបាទសូមអរគុណជើញមេធាវីការពារក្តី ឡើងធ្វើការអធិប្បាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហេតុផលទាំងឡាយនៃការតវ៉ាជំទាស់ទៅនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រពៃណីដែលនៅសេសសល់ចំនួន 5 រូបទៀតនៅក្នុងក្រុម 1 ហើយដោយសារតែមួយក្រុមទេដូច្នេះលោកអាចធ្វើសរុបតែម្ដងធ្វើរួមទាំងអស់ទៅហើយក៏ខាងមេធាវី ការតំណាងឲ្យដើមរឹងរបស់ក្រុមមួយក៏រៀបចំនៅឯកសារដើម្បីធ្វើលេខលែងការតបវិញទៅតាមវិធាននៃទាំង 5 នេះដែរពីព្រោះវាជាក្រុមតែមួយសូមជឿញ. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit en effet des cinq parties civiles suivantes. E2, barre de fraction 49. E2, barre de fraction 69. E2, barre de fraction 73. E2. Barre de fraction 74. E2. Barre de fraction 75. Monsieur le Président, mon confrère Alain Werner nous a indiqué qu'il souhaitait s'expliquer sur les 5 dossiers en même temps. Dès lors, il n'est pas contesté qu'il n'y a aucun document dans ces 5 dossiers. Dans ces conditions, Monsieur le Président, je sollicite d'entendre d'abord les explications de Maître Werner dont il m'a indiqué qu'il serait général, et je souhaiterais pouvoir faire quelques mots de réponse à ces observations. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Laissez-moi d'abord, avant de commencer, remercier la défense parce que nous sommes mis d'accord avec elle. Nous lui avons demandé hier s'il était possible pour elle
de ne pas suivre un ordre chronologique. Et en effet, à la fin, grouper nos cinq dossiers pour que nous puissions d'un coup adresser votre chambre sur ces cinq dossiers et la défense a fait suite à notre demande et nous lui en sommes grés. Laissez-moi d'abord vous, parce qu'il y a eu des développements tout récents, donc laissez-moi d'abord vous parler d'un dossier en particulier et ensuite j'adresserai les quatre suivants. E2, barre de fraction 49. Monsieur Eng Sita, sa partie civile nous a indiqué hier qu'elle n'était plus intéressée par être partie à cette procédure. Et en conséquence, selon l'article 23, paragraphe 10, qui stipule qu'une partie civile peut à tout moment renoncer à demander réparation ou se désister de son action, nous informons la Chambre que cette partie civile, E249, se désiste de son action et n'est dès à présent plus partie civile à cette procédure. Donc, cela concerne E249. Alors, laissez-moi vous adresser effectivement les quatre suivantes, E269, E273, E274, E275. Comme Maître Roux l'a dit de façon tout à fait correcte, la situation est la suivante. Nous n'avions pas en janvier, en février, lorsque nous sommes entrés dans ce dossier et lorsque nous avons, sommes venus aux audiences, à l'audience préliminaire, nous n'avions pas de preuves, de biographie ou de confession, leur nom n'apparaît pas sur les listes de prisonniers. Et une décision de principe a été prise par mon groupe à l'époque de maintenir ces constitutions de partie civile et nous étions prêts en février à nous expliquer sur la raison pour laquelle notre position de principe est que nous maintenons ces constitutions de partie civile malgré le fait qu'effectivement il n'y a pas de biographie, il n'y a pas de confession, leur nom n'apparaît pas sur les listes de prisonniers. Alors, la question nous a pas été posée en février, évidemment nous étions prêts en février donc nous sommes prêts aujourd'hui. Et brièvement, j'aimerais vous expliquer pour ces quatre parties civiles en particulier, quelle est notre position, sur quelle base juridique se repose notre position, étant donné que nous n'obtiendrons pas de nouvelles preuves, elles n'existent pas, nous ne les obtiendrons pas, donc la situation ne changera pas, raison pour laquelle je vous adresse maintenant sur ces quatre dossiers. Alors, notre position est la suivante. Notre position est que si votre chambre considère, au vu de la constitution de partie civile, des informations qui sont données par la partie civile, les quatre parties civiles, dans leur constitution de partie civile. Si votre chambre considère que ces éléments, ces informations sont cohérentes, ils sont suffisamment détaillés, notre position juridique est que, en soi, cela doit constituer la preuve nécessaire et la preuve suffisante au sens de l'article 23, paragraphe 5 du règlement intérieur, au sens de l'article 3.5, lettre D de la directive pratique sur la participation des victimes. Parce que rien dans ces deux articles, ni dans le règlement intérieur, ni dans la directive pratique sur la participation des victimes, n'impose de façon automatique à une partie civile de devoir apporter une preuve matérielle, une preuve écrite en support de sa constitution de partie civile. Il n'y a rien dans ces deux articles qui requiert cela. Et si vous prenez l'article 23, paragraphe 5,
Il vous le dit, je me permets de le lire. Toute constitution de parti civil doit contenir des informations suffisantes pour permettre la vérification de sa conformité au présent règlement. En particulier, elle doit contenir les précisions utiles sur la situation de la victime, spécifier les infractions alléguées et inclure le cas échéant, tout élément de nature à établir l'existence du préjudice subi ou la culpabilité des auteurs présumés, le cas échéant. Rien ne nous impose automatiquement d'apporter une preuve. Alors, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, la jurisprudence internationale, et vous le comprenez, en cette matière de la participation des victimes, la jurisprudence internationale est pour le moins limitée, puisque cette participation ne fait que démarrer devant les instances internationales. Mais nous soutenons qu'il y a une tendance très claire qui se dessine, et notamment par la jurisprudence de la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale, et cette tendance... Merci. Cette tendance va dans le sens d'admettre pour les victimes d'admettre une preuve indirecte en support de leurs dossiers, de leurs allégations contenues dans les constitutions parties civiles. Si, et je cite la décision, je vous donne les références dans une minute, si la victime, la personne qui postule, peut apporter la preuve qu'elle a été empêchée par des obstacles objectifs, d'apporter la preuve directe des pièces qui viendraient corroborer ces dits. Et la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale continue et nous dit qu'elle décidera au cas par cas basé sur le mérite de la cohérence intrinsèque de la déclaration de la victime et toute autre information disponible. La cohérence intrinsèque de la déclaration de la victime. Et je me suis référé à la décision de la Chambre préliminaire, situation de l'Ouganda, décision du 10 août 2007, paragraphe 15, décision sur les demandes de participation des victimes. Alors, bien sûr, c'est la Chambre préliminaire, nous comprenons. Mais ce que nous disons, c'est qu'une tendance se dessine pour admettre que dans certains cas, il n'y a pas de preuve matérielle pour des raisons objectives et qu'une preuve indirecte, donc ce que vous dit la victime, doit être admise. Alors, j'aimerais vous dire une chose. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, nous sommes dans un domaine, au droit pénal international, où est mon confrère le sait évidemment puisqu'il a eu la chance de pratiquer devant ses juridictions, le tribunal pénal pour le Rwanda, depuis 10 ans, ou 11 ans même, depuis la jurisprudence Akayesu, rendue le 2 septembre 1998, nous sommes dans un domaine où un critère juridique accepté depuis 10 ans, depuis 11 ans, est qu'un accusé peut être condamné par un tribunal pénal international sur la base d'un témoignage qui n'est pas corroboré. C'est ce que la jurisprudence Akayesu dit, et c'est ce qui a été confirmé depuis par la jurisprudence. Sur la base d'un témoignage, alors évidemment ce témoignage doit être crédible, il doit être relevant, mais l'argument c'est que vous pouvez condamner quelqu'un en droit pénal international sur la base d'un témoignage, sans autre pièce, sans autre témoignage corroborant, sans rien d'autre. Si cela est vrai, alors il ne peut pas être possible d'exiger comme critère automatique qu'une partie civile, en plus de ce qu'elle vous dit, en plus de son témoignage, pour être constituée partie civile, doive automatiquement apporter la preuve par une biographie, par une confession ou par son nom sur une liste. Cela ne peut pas être possible. Ne peut pas être la règle automatique. Alors, si vous acceptez notre soumission, si vous acceptez le critère que nous vous proposons, basé encore une fois sur la cohérence
des informations que nos quatre parties civiles vous ont données. Cela, et c'est un point très important pour nous, cela ne créera aucun préjudice à l'accusé, pour deux raisons. La première, c'est que notre cap, nos quatre parties civiles n'apportent aucun élément à charge, contrairement à d'autres parties civiles qui sont venues devant vous. Ces quatre parties civiles n'apportent aucun élément à charge contre l'accusé, numéro un. Et numéro deux, l'accusé, et c'est très important, ne sera devant cette juridiction, de toute façon, pas tenu à verser des compensations monétaires individuelles. Il n'y aura aucune répercussion négative pour l'accusé. Que mes quatre parties civiles soient admises comme parties civiles ou pas, cela ne changera rien pour l'accusé, car il ne sera de toute façon pas tenu au terme de ce procès à payer de l'argent aux parties civiles. Et cela doit, à notre avis, nécessairement avoir une influence sur le critère que vous allez fixer. Alors, Maître Roux, avec son talent habituel, vous a dit hier, en filigrane ou même de façon direct, que dans votre décision, vous devez penser au cas numéro 2 ou à d'autres cas ou à d'autres cas devant d'autres tribunaux, parce que vous serez probablement les premiers à réfléchir sur cette question. Et il a développé cet argument, et j'aimerais, parce que c'est très important pour nous, juste vous dire un mot. Si vous allez au-delà de ce qui est exigé par la lettre du règlement intérieur ou la lettre de la directive pratique sur la participation des victimes, si vous venez et vous dites « Nous exigeons comme critère automatique des pièces à l'appui des déclarations de constitution des parties civiles », alors, d'après ce que je comprends, et vous savez, nous ne sommes pas constitués, mon groupe, dans le dossier numéro 2, mais d'après ce que je comprends, la quasi-totalité des constitutions de parties civiles dans le cas numéro 2 devront alors être déclarées irrecevables, parce qu'il n'existe quasi aucune preuve, notamment dans les centres de détention à l'intérieur du pays, aucune pièce, aucune confession, aucune biographie, aucune liste de prisonniers. C'est ça la conséquence d'une telle décision. Et puis, il y a autre chose. Nous rejetons avec force, et avec tout le respect que nous avons pour notre confrère Maître Roux, mais nous rejetons avec force l'argument de l'épouvantail, l'argument qui consiste à dire « Ouh, à l'avenir, si vous décidez qu'effectivement il n'y a pas besoin de pièces, alors il y aura des flots de constitutions de parties civiles qui vont submerger et noyer vos juridictions ». Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, l'accusé bénéficie de la présomption d'innocence. Et bien sûr, nous devons vous expliquer les raisons pour lesquelles nous pensons que nos parties civiles sont constituées. Mais nos parties civiles doivent bénéficier d'une présomption de bonne foi. Et si ce procès a démontré une chose d'après nous, c'est qu'il n'y a pas eu d'imposteur. Il n'y a pas eu de profiteur sur le banc des clients des parties civiles. Nos clients ont tous agi de bonne foi. Nos clients ne demandent pas d'argent et nous demandons à ce que nos clients bénéficient d'une présomption de bonne foi. Alors, et j'ai presque fini, Monsieur le Président. Vous vous rappelez, je vous ai cité la jurisprudence de la Cour pénale internationale avec cette idée de preuve indirecte suffisante. Si une partie civile peut démontrer qu'elle a été empêchée par des obstacles objectif d'apporter cette preuve. Alors, la preuve que mes quatre parties civiles de bonne foi sont empêchées par des obstacles objectifs de fournir une preuve directe, une biographie, une confession, le nom sur une liste de prisonniers. Cette preuve, c'est la destruction et la disparition d'une partie des archives de S21. Et Maître Truss, hier,
Vous la plaidez, elle vous a dit ce que David Chandler est venu dire à cette cour et je ne vais pas le répéter. Le coprocureur international l'a plaidé également, mais j'aimerais juste, et j'en aurais fini après cela, parce que je pense que c'est une histoire qui illustre bien mieux que simplement se référer à un expert ou se référer à d'autres témoignages. J'aimerais vous lire juste quelques lignes de quelque chose qui se trouve dans le dossier. C'est le livre de Nick Dunlop. Et ce livre, malheureusement, n'a pas été traduit en français ni en khmer, mais il se trouve dans le dossier. Et la cote en anglais, IRN 0078697, 0078699. Il y a juste les deux premières pages qui sont citées. Je peux vous donner aussi les cotes en français ou en khmer, mais ça ne correspondait à rien parce que la traduction n'a pas été faite. J'aimerais vous lire une page sur la destruction de ces archives, qui, à mon avis, est la meilleure chose qu'on puisse dire pour vous faire comprendre réellement la situation. Et je vais le lire en anglais. Donc, si c'est possible pour les interprètes, de simplement me suivre en anglais, parce qu'encore une fois, ça n'existe qu'en anglais. Donc, Nick Dunlop parle d'un caractère qui s'appelle Ho. H-O. Et il dit ceci. Ho found a room near Tul Tum Pong Market with his wife and daughter. And he began to look for work. At the market one morning, he saw women selling fried bananas wrapped in paper with handwriting on it. There had been no paper during the Khmer Rouge. Now, in the semi-derelict city, it was everywhere. Sheets of it blew through the streets. Children had begun to collect it. He picked up one parcel of bananas. He recognized the handwriting. It was the confession of a friend from Paris. When he asked where he had come from a little boy, the little boy led him down the back street to Tul Slang. He saw the weather wire along the wall and Vietnamese soldiers at the entrance, and said, "I didn't dare to go inside." Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, ce n'est pas pour être comique, réellement. Ce n'est pas pour être comique, mais une partie des confessions ou des biographies a servi à emballer des bananes frites sur les marchés de Phnom Penh dans les années 80. C'est la situation. Donc j'en ai terminé pour mes 5 parties civiles. Oui, nous ne pouvons pas, pour 10% de nos parties civiles, 104 ou 5, 68 ou 40, nous ne pouvons pas venir, malgré nos meilleurs efforts, nous ne pouvons pas venir et vous apporter la preuve. Mais nous pensons que, de bonne foi, ce que vous disent nos clients a du sens, et nous pensons que ce qu'ils vous disent doit, vu les circonstances, constituer la preuve suffisante. Et encore une fois, ce n'est pas pour être comique, mais s'il se trouve la biographie ou la confession d'un de nos 4 clients a servi aussi à emballer des bananes frites ou d'autres nourritures sur le marché de Tul Tum Pong à Phnom Penh dans les années 80. C'est la situation et c'est notre soumission. Merci de m'avoir laissé le temps pour m'exprimer. Je vous remercie, Monsieur le Président. Tout le monde aura compris que nous sommes dans un vrai débat. Qui est posé à cette chambre depuis le début, depuis que de ce côté-là de la barre,
Nous attirons respectueusement l'attention de la Chambre sur ce que peut être et sur ce que doit être le rôle des parties civiles. J'ai entendu une fois encore beaucoup de confusion dans l'exposé qui vient d'être fait sur le rôle des parties civiles. Je voudrais que l'on soit clair et que l'on rassure ici les personnes qui ne pourront pas se porter parties civiles. Elles sont représentées dans cette enceinte par le bureau des coprocureurs, dont nous pouvons penser qu'il assurera dans les meilleures conditions, c'est ce que nous souhaitons, la représentation des intérêts de la société. Donc que les parties civiles qui ne pourront pas pour des raisons juridiques, parce que nous faisons ici du droit, que les parties civiles qui ne pourront pas pour des raisons juridiques être individuellement représentées à cette audience se rassurent, elles seront moralement représentées par le bureau des coprocureurs. Une fois encore, qu'est-ce que c'est qu'une partie civile dans un procès de civil law? C'est une personne qui peut justifier de sa qualité à agir, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a personnellement vécu un dommage, ou bien quelqu'un qui est familialement très proche d'une autre personne qui a vécu un dommage, donc un parent pour son enfant, un enfant pour son parent, donc quelqu'un qui a qualité à agir, et quelqu'un qui est bien fondé à agir, c'est-à-dire qui peut justifier de son préjudice. Nous sommes, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, dans une enceinte de justice. Nous ne sommes pas sur la place du marché. Nous ne sommes pas sur la place du marché où l'on peut jeter des pierres à un accusé. Et j'ai entendu, même de loin, lorsque j'étais à La Haye la semaine dernière, dans cette audience, des mots qui étaient comme des pierres lancées à la face de l'accusé. Et j'ai souffert, parce que je souhaite que nous restions dans le cadre d'un procès digne et que chacun reste à sa place. Qu'attendons-nous des parties civiles? Qu'elles nous disent deux choses. Une fois qu'elles sont autorisées à intervenir par la loi, qu'elles nous disent deux choses, pas trois, deux choses. Voilà quelle est ma souffrance personnelle. Et voilà quelle est la mémoire de la personne pour qui je souffre. Et je viens vous parler de la personne pour qui je souffre. Et ça s'arrête là. Le problème est que depuis le début, les parties civiles veulent déborder ce rôle. Souvenez-vous, dès la première audience, mon confrère Maître Khan venant dire « Les parties civiles n'existent pas dans ma tradition.
Je découvre cela et ça me plaît. Et je vais réclamer des peines contre l'accusé. Et je vais faire venir témoigner un expert pour réclamer des peines contre l'accusé. Confusion. Je me suis levé, je me suis élevé contre cela. Et je l'ai redit hier, ce que nous faisons ici est une œuvre extrêmement importante parce que nous défrichons un domaine nouveau. Et nous n'avons pas droit à l'approximation. Alors, mon confrère, très bien, vous citez la Cour pénale internationale. Vous oubliez seulement que devant la Cour pénale internationale, les victimes, justement, ne sont pas parties civiles. Et j'ai considéré pour ma part qu'ici, nous faisons un pas supplémentaire, un progrès, parce que ici, les victimes ne sont pas seulement entendues comme devant la Cour pénale internationale. Elles sont parties civiles avec tous les droits attachés à des parties civiles. C'est un progrès considérable. Mais nous savons tous parce que nous sommes juristes, que quand on a des droits, on a aussi des devoirs. Et le premier devoir d'une partie civile, c'est de respecter les règles qui vont lui permettre ou non d'être partie civile. Et son deuxième devoir, c'est de respecter le rôle d'une partie civile dans un procès, c'est-à-dire notamment de ne pas intervenir sur la question de la peine qui relève de l'ordre public, qui relève du procureur. Autre confusion, vous parlez de la jurisprudence Akayesu. Oui. Je connais un petit peu, effectivement, pour avoir passé des heures et des heures au banc de la défense devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. Mais vous oubliez une chose. Quand le tribunal présidé par le regretté Laïti Kama, grand président s'il en fut, quand le tribunal a rendu cette décision sur laquelle, pour ma part, j'émets des réserves sur ce point, c'était après avoir entendu le témoin en examination, cross-examination, puisque nous sommes là-bas dans une procédure typiquement common law. Ça n'est pas du tout le cas des personnes dont vous me parlez ici. Ces parties civiles que vous citez ne sont pas venues, elles n'ont pas pu être entendues, elles n'ont pas pu être contredites éventuellement. Vous n'êtes pas du tout dans le cas Akayesu. Et puis si vous allez au bout de la jurisprudence Akayesu de grâce, parler des contestations qu'il y a eu contre ce passage de la décision et rappeler que le tribunal a pris le soin de dire que c'était exceptionnel. C'est quand il n'y a pas d'autre solution. Mais le principe en droit pénal international, vous le savez aussi bien que moi, c'est le principe de la corroboration. Exceptionnellement, dans certains cas particuliers, a dit le tribunal, parce que le témoin a été interrogé et contre-interrogé, exceptionnellement, nous pouvons accepter un témoignage non corroboré. Alors, oui, dans des tragédies comme celles dont nous parlons, je suis bien d'accord avec vous.
Mais on peut se tromper de bonne foi. Nous avons entendu à cette barre des gens qui se sont trompés. Ils ont cru de bonne foi avoir été incarcérés dans un lieu alors qu'elles étaient dans un autre lieu. On le savait. Donc, vous avez voulu conclure avec le livre de Nick Dunlop. L'autre jour, c'était le bureau du co-procureur qui croyait pouvoir utiliser comme moyen de preuve ce film exceptionnel de Rikipan. Ce sont là des œuvres, un livre, un film, ce sont des œuvres. Et pour ce qui est du film de Rikipan, extrêmement respectable, tant que c'est une œuvre supérieure. Je n'en connais pas d'autres de cette qualité. Pour autant, je pense que les personnes qui écrivent ces livres ou qui réalisent ces œuvres n'ont jamais imaginé que l'on s'en servirait dans un processus judiciaire. Nous sommes dans un processus judiciaire, il y a eu une instruction, il y a des règles de droit, je l'ai dit hier et je le redis, Duralex, Sedlex. Nous sommes des juristes. Et un éminent professeur de droit disait cette sentence que nous ne devons jamais oublier. Ennemi juré de l'arbitraire, la forme, c'est-à-dire la procédure, est la sœur de la liberté. Nous ne sommes pas là pour faire de l'arbitraire, nous sommes là pour faire du droit. Je demande à la Chambre d'appliquer les règles de droit relatives aux constitutions de partie civile, mais une fois encore, de dire haut et clair, y compris au public qui est là, qu'ils sont fondamentalement représentés ici par le bureau du procureur, qui va représenter cette société qui a été bouleversée, dont le lien social a été, nous le savons, violé par la période du Kampuchea démocratique. C'est ça le rôle et le devoir du procureur. Ne le lui enlevez pas. Je vous remercie. ដូច្នេះកំហិតនិងកម្រិតនៃការធ្វើដោយថ្លែងការណ៍គឺមានការពាក់ព័ន្ធដល់លទ្ធភាពនៃការដែលប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្ហាញនៅភ័ស្តុតាងនៅឯកសារនានាទៅពាក់ព័ន្ធជាក់លាក់ចំណែកឯជាទ្រឹស្ដីទូទៅឬក៏មានការទាញហេតុផលផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈវែងអន្លាយនោះក៏បីលោកមេធាវីទុកចំណាយពេលក្នុងការ រៀបចំនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលឬក្តីបង្គាប់ចុងក្រោយនោះទើបជាការត្រឹមត្រូវជាក់លាក់គឺសូមបង្ហាញច្បាស់លាស់ជាក់លាក់មានអីខ្លះមិនមានអីខ្លះហើយពេលណាដែលថានឹងអាចមាននោះដើម្បីយកមកដោះស្រាយបញ្ហាមិននិយាយទៅលំទូលាយដោយរកចំណុចជាក់ច្បាស់ នៅក្នុងការវិភាគបកស្រាយតើគុណភាពឬក៏មានគុណភាពនៃការតាំងខ្លួននេះដើមរបស់នេះនោះទេព្រោះបញ្ហានេះគឺពាក់ព័ន្ធថាចំទាស់ដោយសារហេតុមិនភាពមិនសមត្រមមិនគ្រប់គ្រាន់មិនពេញលេញដែលគួរត្រូវបានទទួលគុណភាពជាដើមរបស់នេះគឺភស្តុតាងមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីកំណត់ថាជាដើមរបស់នេះ
Oui, Monsieur le Président, merci. J'ai tout à fait compris ce que vous dites. Laissez-moi juste deux points vraiment très, très rapides. Bien sûr que nous comprenons la différence entre ce qu'il se passe ici et ce qui se passe à l'AE, à la Cour pénale internationale. Bien sûr que nous comprenons. Et c'est la raison pour laquelle je me suis mal exprimé, mais que j'essayais de parler de tendance. Et mon confrère vous parle, vous a répété plusieurs fois du rat de l'ex et de l'ex, et vous a parlé au début de son intervention aux critères en droit national. Et c'est ce que j'essayais de vous expliquer. La raison pour laquelle nous parlons des tendances devant la Cour pénale internationale, et la raison pour laquelle nous soumettons ce que nous soumettons aujourd'hui, c'est qu'il y a des différences intrinsèques et fondamentales entre une situation en droit français, en droit belge, en droit suisse, ou que ce soit où il y a des parties civiles, où un crime s'est commis il y a une année ou plus, peut-être il y a 6 mois, il y a 2 ans, dans un pays où évidemment il est facile d'obtenir des pièces si besoin est. Et notre domaine, le droit pénal international, où les choses se sont passées en temps de guerre, il y a certaines fois des années et des années. Et ce qui nous semblait intéressant dans les tendances qui se dessine de la jurisprudence de la Cour pénale internationale, c'est que même si la Cour pénale internationale n'est saisie que de situations qui se sont passées il y a relativement peu de temps de par son statut, et bien même avec ses spécificités, ce qui se dégage comme tendance, comme principe général, c'est, et je vous l'ai dit, d'accepter une preuve indirecte. Et cela nous semblait intéressant parce qu'ici, nous sommes dans une situation comme devant la Cour pénale internationale et à l'inverse, les juridictions internes. Nous sommes dans une situation où le conflit ne s'est pas produit après 1998, mais en 1975-79. Et c'est pour cela que je parlais de ces tendances-là qui, à notre avis, encore une fois, de bonne foi, soutiennent notre argument. Juste encore un mot, mon confrère a l'air fixé parce qu'à chaque fois qu'il s'exprime, il revient sur cette question, sur la, effectivement notre opposition, qui est une autre position, qui est une position que nos partis civils doivent être à même de pouvoir plaider sur la peine. C'est une situation, position qui est complètement différente. Comme vous le savez, cette question est devant vous. Nous avons plaidé par écrit. Cette question est devant vous. Vous le déciderez très bientôt. Et cela n'a rien à voir. C'est une question qui est tout à fait séparée. Et j'ai essayé de centrer mon intervention sur cette question de qu'est-ce que vous avez besoin pour dire que oui, cette personne est partie civile et peut jouir de ses droits. Dernier point, j'en ai fini. Mon confrère a l'air d'aimer le latin, ce qui est tout à son honneur, et Durad Lex Sed Lex, tant dans le règlement intérieur que dans la directive pratique, si Durad Lex Sed Lex, rien dans le règlement intérieur, rien dans la directive pratique, nous dit que automatiquement, nos 4 parties civiles doivent venir et vous fournir une biographie ou une confession, rien. Donc si Durad Lex Sed Lex, basé sur le règlement intérieur et basé sur cette directive, alors vous devez, si vous pensez que effectivement, lorsqu'ils vous le disent dans leur application a du sens, vous devez accepter ces parties. យើងត្រូវតែបញ្យល់ថាប្រសិនបើគេបញ្ជាក់ហេតុផលច្បាស់លាស់ហើយនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គេយើងត្រូវតែទទួលយកទៅលើពាក្យតាំងខ្លួនទាំងអស់នោះសូមអរគុណ លោកប្រធានខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតលោកប្រធានដើម្បីមានទស្សនៈបន្ថែមដែលពាក់ព័ន្ធគឺជាទស្សនៈមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងវិស័យច្បាប់ដែលលើកឡើងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដើមបណ្ដឹងរបស់វេនីតាក់ទងនឹងសិទ្ធិរបស់គាត់នៅក្នុងការធ្វើពាក្យបណ្ដឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតក្នុងការបង្ហាញពីសិទ្ធិរបស់គាត់នៅក្នុងសារសំណាកានេះដើម្បីជូនដល់លោកមេធាវីការពារក្តីក៏ដូចជាអង្គសំណាកាទាំងមូលដើម្បីជ្រាបពីបញ្ហាសិទ្ធិស្របច្បាប់រប
ដែលមានបញ្ហាចំទាស់តវ៉ានេះតើមានអីគ្រប់គ្រងដែលអត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើ
là hốt đo miền mùi về cha rư cầu chơi đây sân là than vẹt cần đà tí đổi chân này tí dừng rẽ xa xích người khăn ông ca bằng chúc chia bằng toán đời mình dục dù tí bờ sân đồng nơ ca này ca ngược lần này gì đời miền lạc anh lạc từ lung từ lì hốt bây giờ vậy đây trở cả bằng hành bờ dừng cắt thông qua khơi được chân này vì đàm dừng mình ăn nhạt ôi thua ca này gì ta rộp chẳng thi dừng ôi thua ca bằng hành đôi vì mà sao mình chạy lẹ từ tam cả rồi này mùi mùi hời nì trời dù lại bàn cho bà xong ở con lục thiên đài bấm lưu đó nên nhóm nhưng nhóm nặng bậc chế giếm tiên rộng hạt phó đại bẹp bòn chị bà thông xong cổ lục bà thiên nâng lục lục sợi chạc rõm chết nâng ăn rạch chết nâng ăn xâm nâng ca tiền mùi đồng bây thuốc ca chá lai tập tên nâng lục mê tử vi ca biết đây lục phong sổ rú nên khi chăm xong lưu tiệm tông nâng chùm sất bọt đam đăng rộp bởi nì đài quạt ban lực lang thả đam đăng rộp bởi nì cô tật thuốc chlóng cạch tam là dạ xã hạ bởi rì nhà phù xã hạ bởi rì nhá cứ chỉ nạ đầm nang ở đam đăng rộp bởi nì chỉ tu tay tay một đòn có bần tay nên khi chăm xong bằng hàng thả nơi khi nông tà lạ ca ní cứ chê tà lạ ca đại miên chê tà lạ ca môi ổn trả chê tà lạ ca con cạch đã hai thả tà lạ ca hơi thả nạ chết nông ổn trả chết bốc sọc chốc nè nơi khi nông nông đại dương có miên cách prom priêng môi đại phơ lang rồi viên ổng ca sạp chê chết chê mùi nâng rọt thả bị bác Campuchia trong mệt ra tì đọc bì đẹp chồng ôi bằng hai thả do chú bác mai mà pra nơi khi nông xa sạm nạ ca ní phong đại tại tông tân nông chậm nổi nị đai để non mời nên khi nhóm ban bình nhật tâm mơ lơi rồi từ lơi cho bao mai dương đại miền trái thì sật bao đan đằng đầu bảo vệ nên nước nông ca đại quạt miền sật nước nông ca đặc biệt bẩn đăng cho bao nước nông tà lạc cá nị tại tông tân nông crom pro mật toàn tại tông tân nông crom nị tại vị thi pro mật toàn nơi bảy chiên ở chợ Campuchia dương các bạn ở nơi nông ban trái nhận chậm ba nó cứ nơi trăng bị tra tì đọc bầy đại bán chay những bát tiệt tông tân năng bẩn đăng rập về ni nó cứ nông kệ bán chay thả bẩn đăng rập về ni năng chia sản cảm bẩn đăng rập về ni tới ăn uất đói chân rong cua này bắt làm mờ số thật tai dương miên chân rong cua này bắt làm mờ nên nó không số thật tai dương miên chân rong cua nơi tin này đại được thế tiệt tông tân năng người cái lõm má dương miên chân rong cua đẹp toàn cứ lục ông cho mấy cái đôi chia chân rong cua bù mén nằng chân rong cua đại to bị mình tì xong một phay môi môi chầm nón tiệt mà đại ban lao mà thưa sạc cây cam cá bị sạp đá cần lòng bị sạp đá cần lòng mau cá bị khai môn sạp đá cần lòng mau rồi cho hời chân nói nick cái ban chay nhàng ba cứ bẹp con tơ năng người sấp bọt đâm đắng rồi với nick nóng cá châu ruộng đăng đã bị bẩn đăng nằm bay tiêm tỉa nơi chết nạn cam đại ban cả lăng chầm bùn cọt hay chấm nội mũi tiệt đại lộng mê tử vị ban lực lang thả mê tử vị lộc phong sơ ru ban lực lang thả ca thơ bị bẩn đăng ní cua tẹt phơ lở viên ở bốc nắng cồn cứ chiếc sai lở hất đại tỏi có bẩn tai nơi khnông mẹ ta tị đập làm môi này crom 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 này tệ vị thi crom một ton Campuchia có ban bẩn chẹt đại thả bẩn đăng rồi bảo vệ ní rồi bỏ sệt ở vốn này chân rong cua nơi khnông nó kệ ban trai nhảy chứ ba khnông cả rồi này mơ rồi nạp tiệp này chân rong cua bạn đăng đo bảo vệ ní ai trợ bán phát án thơ rư bần to bán đáy sật ở vòn sật ở vòn nơi tí ní mình nây thả cứ xâm đáy từ lực bậc cô đại bẹp con sọp cho bạn nẹ nà khát đại bẹp con sọp cho bạn bậc cô đại bẹp con sọp cho bạn miền bóng ôn ở bốc con chiếc sai lỗ hật đại miên sai lỗ hật sọp cho bạn cứ mình nây thả ai chỉ ở bốc ai chỉ con ai chỉ cháu ai chia bóng ôn bằng cát ai chỉ bóng ôn chỉ đồn muối đại chiến bậc cô đại chọc sai lỗ hất nó không đại chọc sai lỗ hất chân miên này thả đang mình đang rập về này đại quạt mang tang luôn chị đang mình đang rập về này để nó không không bắt bắt những cái nhầm chẳng ó cứ quạt miên cá bẹp con chỉ muối năng sạch đường nơi đường ong hẹn này để tao nặng bắt bắt chặt vào căn này chân người nick cái chỉ sắt bắt quạt được không cá đặc biệt mình đằng bắt ai tên lớn miệt ra chẳng pin này đại chỉ miệt ra đại lời nâng bia miên pa nhà ha chúng tôi ông phí sức cho rùm đời mà đang rọt vào bình ní rứa có chúng tôi to quá ông phí phép khóa chân lọ
ในเอกสารได้บัญชีอัมพีจำนองสิทธิวันเฮยนั่งเอกสารความตรอบัญชีท้าจนรองครัวมีนหรือมันมีนในมันตีซอมาเผยมวยนี่จะปัญหาเนี่ยมันแมนเอาเชื่อได้สันทานตีเอาบางห้าอย่างไปให้นี่ท้าตาจุ่มตัวเราว่าไม่จะวีดาวมันเราตรงนี้ได้กี่ทลายอย่ารวมกับลองมานี่ จมตัวหำปีท้ามันเอาโชว์รูมขนมเนียมได้มันดังรับรับวินนี้หรือก็คือจมตัวต่อว่าอัมพีเพียบขมิ้นกุนสัมบัติได้มูลเหตุขวานในเอกสารได้บ่งห้างอัมพีจมน้องเตะตึงขนมเนียมเฉียดสิทธิวันในจุนหนึ่งครัวในขนมเรืองในขนมซอมาเผยมุ้ยหนึ่งเอกสารหรือก็พ่อตั้งได้เป็นเจ้าท้าจุนหนึ่งครัว ได้มาตัวมรณะเพียบหรือกระตือสำลับหรือกำติในขนมซอมาเผยมุ้ยนี่คือหลุมลึกแรงวิ่งเบาเจตนาองค์การบางฮันคือบางฮันเจเลอาจเบาเสียไอเตลือีปีใส่สมบูรณ์เมียนไอควาไออีปีหกสมบูรณ์เมียนไอควาไออีปีใส่จัตตบุญเมียนไอควาไออีปีจัตตปรามเมียนไอควาไออีปีจัตตบัยเมียนไอควาไอ มันเอาเมตวีเวอร์ไว้ข้อประชานิติตียึงมันปราบภัยประสิทธิ์นี่คือมันอนุญาตเอาหนี้ยี่ดียึดได้เลยนี้บัดท่ายึดยังอนุญาตได้ยี่บัดท่านยึดมันยึดได้ยึงมันอนุญาตเอาหนี้ยี่ดีเมียนเปิลคือเตอร์ทัวร์ในทลายการเนื้อขนมได้สันนิษฐานบรรจบ การดังดาวสมอลอกคนลูกเตี้ยหน่อยเนียงขยมยลบ้านให้เนียงขยมสมทุกกับบัจเจปแทมเอาไว้ได้เนียงขยมบ้านเลือกลางอ่ำบังไม่นี่คือดำใบชลอยตบจมวยนั่งลูกเมตวีกาเปียไอ้เลยลูกใส่ลูกเมตวีตาหนี้ยี่โจลงปัญหาได้ยืมกำนัดเอาหรืออดมามันตีคือมันชุบตรมนี่ ปอนจะมวยนังกงได้กงได้บอลนี้ขยมได้ลูกประเทียนบ้านเลือกล้างนั่งนี้ขยมสนาซอมเอาลูกประเทียนไม่ตาจัดนัดตัวเลือกเพียบจะแสดงสถานะเพียบจะแสดงในได้ก็ได้นี้ขยมเมียนให้เปปปอนนั่งจมหน่อยได้นี้ขยมบ้านเลือกล้างอ่ำบังไม่นี้คือจิกาชลอยตอบจมวยนั่งลูกเมตบีกาเปียได้ก็บ้านเลือกล้างเปได้ก็เฟอร์กาปะได้เสร็จอ่ำบังไม่นี้ให้นี้ขยมกับกองแต่ช่วยสมเฟอร์กาบมพลือบันทามโปรได้สมอ่างตัวเลือกหมู่ทามฉบับ สมอกรลูกประเทียนเชิญลูกเมธีวีกาสวุฒิให้อนุญาตเอาในยีกรมรัฐตรมแต่ให้พอเตียงไล่ในการจมโตเตือนนึงคุณเพียบเพียบตรมตรึหรือมันตรมตรึในปีพดังสมตังครวนจะดาวมันดังรับเวนี้หรือพ่อตังเรียนนี้ได้ความตรอดอล การต้มตังครวนจะดำมาดังรับรับในบันนอมันอนุญาตเอาลูกเพื่อสักใดสันนิษฐานวิพิให้พอลในกรณีนี้ดีสมอกุลลูกประเทศหนึ่งสมกรุบสมกรุบลูกจะกล่อมชีดหนึ่งอันตรายชีดหนึ่งสมกรุบองศาวนาการจังมูลโดยขยมบานจุ่มเรียบปีกากัดสมควรเราบอกขยมบาดพิมพ์สมัยรุ่ยหายท่า เมธีวีกาเปียกได้เตรียมเตี้ยเอาดำบันดังรัฐประเวณีบัญชีเอาบานครุบครวนเนี่ยใบบอดสำนมลิขิตนั่งเอาครุบครวนได้เมียนก้นสมบัติถ้าจีดำบันดังรัฐประเวณีเอาตีโฮถ้ากวนเนี่ยเวทเตาจีปะได้หรือเตาจีปะปุ่นหรือเตาจีโกนเตาจีบองเตาจีปะอ้นเตาจีอาปุกหรือเตาจีหมัดได้เนี่ยเมียนเอกสารประเจ้ามาตรมตรัยอันนี้ ตีมุ้ยได้คุณสมบัติตั้งครูจะได้เหมือนดังรัฐทวีนี้ได้ยื่นขย่มเจียมเมธีวิกาเปียจอมบานให้ลูกปะปิ้งเมาตั้งเบาเจียบองเบาเจียบอ้นลูกเมียนไอกระซาใส่ยมมาไปเจียมเมาอันนั้นตีมุ้ยได้กี่จอมบานตีปีคือพ่อตังพ่อตังได้ยื่นขย่มจอมบานเนาะได้กัดสมควรนะจอมบานถ้าเธอชวนได้ ลูกเตรียมเตี้ยเจียดได้เหมือนดังรัฐทวีนี้เนาะเวียบ้านเรื่องกรุ๊ปปัดปะกัดในตัวสไลด์นี่หรือ
bao việc miên rong cứ nơi tua sai dương từ tua và mang đang mình đang ra từ vị đi coi dương từ tua đây đôi khi nhom chủng riết pin sao mình nhưng thả tim mũi lục do lục thoát máu lục thoát nơi tua sai người miên bẹt lạ lên và mang do máu khi nhom từ tua bệnh miên sai chớ nên miên là lục thoát máu ở chỗ bờ lục do lục thoát thoát đang bị làm chất bay chất buôn nơi do máu thả nè chúng muốn nó lại làm nơi tua sai như dương khi nhom từ tua do mạch bán rụp thọt luôn ai thọt ai cả chuột đang bị xâm ná vô mà to qua mấy cái ní tí mùi tí pì bảo vệ ắt rụp thọt thế vô chầm lấy xa ra phép tới bảo vệ ắt chầm lấy xa ra phép tới vô mình chi chú mô hả mình chi chú mô không miên chơi này bình chi chú mô tí mùi thôi đòi lộp xa phía nhà miên mà mơn pì bôn bây giờ bạch sập nè vô mau tới ở đây khơi chú mô không chung tui rộp liềm tí pì mình chi chú mô lộp tự bạc mưa so mà phê mùi khi chung tự bạc mưa bảo man đô ngay mơ nẹt na trôi bị ngay na ấy ngay na sập hư bỏ bắn na đấy á nói toàn ô luộc từ bao tới sống mọi kia phải chạy mau hơi thoát à sập lắc nâng mau à vô mau lại trôi mau dừng xong khơi dừng xong từ tua vô phim ắt rồi như đi đi ắt khai nên nâng từ tua đi ờ bởi vì khi miền là nâng tên miền bỏ quát từ rúp cặp bắn bật tháp bỏ quát từ rúp kia vô chọc chạy chiến ó trôi rúp thoát miền này vô chọc chạy chiến luộc từ vô mau rúp thoát nơi tua sập anh miền ta với đây viên miên chẳng để dương khiêm tìm tì chẳng lột bằng pin bài bọt này máu dương khiêm từ tua vô phim và sùng ao quân nhưng sùng ao hiệu bò tại bên này sùng ao quân dương mình chụp này cả thì phía xa đánh đầu chấm cua đài mà đang rót vào vini đài miên phải nhà hà to chấm to trầm này được năng thạo về nhà miền trong miền qua nhà ấy Je vous remercie, Monsieur le Président. Très brièvement, je voudrais me référer aux observations générales que nous avons émises hier concernant la souplesse qu'il nous semble que vous devrez utiliser en considérant les éléments qui sont produits par les partis civils à l'appui de leur constitution. Il y a cependant une chose qui me dérange dans le débat qui vient d'avoir lieu, plus précisément deux. D'abord, le fait que la défense revienne sur le rôle des partis civils, il me semble qu'on aura un débat là-dessus dans quelques minutes. Et il ne nous est pas apparemment permis d'y répondre tout de suite. ឥឡូវនេះអង្គជំរះបន្តនៅកិច្ចការថ្មីគឺឲ្យភិក្ខីធ្វើរិះសន្និដ្ឋានដោយសង្ខេបថាតើដើមរដ្ឋរំនីមានសិទ្ធិក្នុងការសួរសំណួរដល់ជនជាប់ចោតនិងសាក្សីដែលក្រុងក៏ហៅមកផ្ដល់សក្ខីកម្មអំពីអត្តចរិតរបស់ជនជាប់ចោតដែរឬទេឥឡូវនេះអង្គជំរះបកុលឱកាសទៅសហព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីធ្វើការកត់សម្គាល់អំពីបញ្ហានេះ10នាទីមានបញ្ហាអីទៀតលោកហុងកំសួនបាទសូមអរគុណលោកប្រធានបាទសូមអនុញ្ញាតតែបន្តិចទេបាទមិនតាក់ទងជាមួយនឹងការដេញដោលទៀតទេព្រោះបាទស្ដាប់បានច្បាស់លាស់ណាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះតាក់ទងជាមួយនឹងដើមមិនដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យម្នាក់ដែលមានលេខ ERN អសុំទោសលេខសម្គាល់ E2/32 តែគាត់បានឡើងថ្លែងនៅក្នុងសវនាកានេះតាំងពីថ្ងៃទី9ខែ7ឆ្នាំ2009រួចម្ដងហើយហើយមកដល់គាត់មិនបានជម្រាបជូនលោកប្រធាននៅអង្គសវនាកានៅអង្គហេតុទាំងអស់មកដល់ថ្ងៃទី10ខែ8ឬខែសីហា2009នេះដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យលេខសម្គាល់ E2/32 នេះខ្ញុំបានសុំឲ្យបង្ហាញអំពីទួលនីតិគាត់នៅក្នុងស21ចំពោះមុខសាក្សីម្នាក់ដែលជាអតីតអ្នកយាមនៅក្នុងទីស21
hay quạt bàn bằng hai mục hay quạt miên ca rùng chua chặt chỉ khăn ว่าสมนิยายฮาวแต่เลยสมกรสันจอบผิดโลอังแฮนี่วิแต่ตรงหนึ่งเรื่องสมงัดเรื่องนิยายมันต้องเทียดยังในยกระดับมันบานต่อแต่บ่มนองบ่โลกนั้นนิยายจังนิยายปัญหาเอาไว้ตื้อไอ้บานฉบับโลกทำไมยังพิจารณาสมัยเชื่อสมัวเพียบในขนมจำนำองจำเรียนนะไอ้ไอ้ไคล้ให้ไอ้ชั่วบ้าคณะลูกช่างนี่ยีเต๋อหรือปัญหาเต๋อคล้ายคณะลูกนี่ยีเวงวิ่งเวียนนอมเอาไอ้เนี่ยตัวสับดับในกลุ่มนิดบอลลูกนั่งเลยบานเต๋อเวียนเต๋อชี้ปัญหาฮัดทอมลังแต่ปัดปัญหาเต๋อจีสมกุลลูกเทียนจำพิมาสมนี่ยีหลังวิ่งนักลงเป็นนักบาทได้ทราบเปรียบเทียบได้ลูกบทเรียนบางจุดเรียบให้ท่านจะเปรียบเทียบจงกล่าวให้ได้ดาวมันดังรอดวันนี้หรือก็ตั้งครุ่นเกี่ยดาวมันดังรอดวันนี้นั่นวิอ๋อเปรียบเทียบหนึ่งเหมือนหนึ่งตัวมันจบในเย่ใครเต๋อขีดบาทมีดาวมันดังรอดวันนี้ได้จิตจนรวมครัวให้จิตคนก็ได้รับจุดบาทเหมือนเนี้ยได้เฉลี่ยราคาที่กัดมีนปัญหามุ้ยสมดะครุ่นหนึ่งดะบันดังทำไมมุ้ยเตี้ยบันท้ายเตี้ยนักลงสนอมเรื่องส่วนส่วนมวยนี่เตะต้องในขนมมันตีซ้อมมาให้มวยเฮดพอลก็ได้สาก็มันบ้านเป็นเจนจูนลูกบุตรที่น้องอาสาบรรดาการเราทั้งไอตีผมบุญใครประปีชนามปีปอนผมบุญได้ปีต้องเวอร์มาเลิกครุ่นก่อนจังนี่จะเอาเฮดไม่มวยตุ้ยมวยเตี้ยให้เด็กกอดกับปงตะเมียนบัดเพราะจัดครั้งเราไปเด็กกอดบานจูบจะมวยหนึ่งสะใส่มันเนี้ยจะกองกาปีนมันตีซ้อมมาไปมวยนุ๊กจังกัดบานส้มไอ้ขีมบาดได้จีดหนุ่มนางไอ้ดามันดังรอดวันนี้นุ๊กดับปีนี่อังไฮทำไมได้แต่ต้องจะมวยหนึ่งกองกาปีมันเนี้ยได้เถื่ออำเภอเหมือนกวาดใบดอกทอมมวยมาเลือกก่อนให้ขีมบาดส้มไอ้เถื่อกาสมรัดที่เรียกก็จะใจจะอาสาเถรนะคือแต่ต้องหนึ่งสมัยคล้วนหรือกิจยุคลุนกัดตัวบ้านเชิงโลกเมื่อทวีห้องกลมทวนในเย่มาลองทิ้งในเย่ภายจากขยมเมียนธรรมะตะเพียบทิ้งมันเย่ตื้อสะดับในไว้ในโลกในเย่นั่งอัดยุลซะหายไปกระโดดช่วยนั่งคางอันตรายเชียดตื้อได้อันตรายเชียดนั่งอัดยุลได้เราปีเนี้ยเราโบกใบเนี้ยอัดยุลเราปีเอาไว้ในโลกจังในเย่ในเย่ได้จะมีการเละเลียมพองให้มีการจังปัดเจงพองนั่งเวียมันนั่งเจียจ่าอย่างไม่จะนี่หายปัญหาองค์เฮ็ดองค์เฮ็ดไม่องค์เฮ็ดทำไมองค์เฮ็ดทำไมคือมันอายเลือกบานตีองค์ตุนรอสลาการเธอสำนักการเลือกองค์เฮ็ดได้บานเจ้าประกันได้บานผลเลียดหรือก็เลียดตัดด่างในขนมในกาบรรจุเรื่องเอาจุนุจุ่มเรียกราบีองค์เฮ็ดนี่องค์จุ่มเรียมันเธอสำนักการตีนี่คือฉบับเตียงนิติวิธีประมตอนประชาชนในจักรกัมพูชีเตียงวิธีนปฏิขนมได้สำรับสำรวจคณีคือมีลักษณะโดยคณีฉังสมโลกในเย่เอาฉบับให้เอาเงยยุลดอลเพื่อกี้
ដោយជាពិសេសដល់អង្គជំរះនេះដើម្បីឲ្យបានយល់អំពីគំនិតនិងការបំណងរបស់លោកនឹងលោកសុំយ៉ាងម៉េច សូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំបាទនឹងបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀត គុណក្តីខ្ញុំបាទជាដើមមិននឹងរដ្ឋប្រវេណីភេទស្រីម្នាក់ មាន លោកឧបហាញហើយក៏ លោកចង់លាក់ក៏លោកប្រាប់ថានៅរហស្សនាមដែរ ម្នាក់ម្នាក់នឹងមិនដឹងថាតាណាគេឥឡូវនឹងយ៉ាងហើយក៏លោកបញ្ចេញនៅរហស្សនាមដែរលក្ខការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឡងមកគឺយើងប្រើរហស្សនាមដែរសមាគមខ្ញុំបាទបានជម្រាបរួចហើយគឺអ្នកស្រីម្នាក់អឺពីស្លាស់3ពីរហើយខ្ញុំបាទមិនបញ្ចេញឈ្មោះសាក់សីដែលចូលឆ្លើយក្នុងនាមសាក់សីបុគ្គលិកសំភៃមួយទេ អង្គហេតុនេះមិនមែនអង្គហេតុថ្មីស្រឡាងខុសអំពីការចោទប្រកាន់ទៅលើជនចាប់ចោទទេគ្រាន់តែគាត់មិនបានឆ្លើយជូនអង្គសវនាការស្ដីអំពីការធ្វើទរណកម្មហើយនឹងមានការរំលោភសេពសន្តិវៈទៀតនេះដែលគាត់ចង់បញ្ជាក់ជូនអង្គសវនាការជាអសាធារណៈទើបខ្ញុំបាទស្នើសុំលោកប្រធានសម្រេចទទួលយកបណ្ដឹងនេះបន្ថែមពីលើអង្គហេតុទាំងអស់នេះគ្រាន់តែមិនបានឆ្លើយជូនពីពេលគាត់ឡើងធ្វើសក្ខីកម្មតែប៉ុណ្ណោះ អញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមឲ្យលោកប្រធានអនុញ្ញាតនឹងទទួលយកការស្នើសុំបំភ្លឺរបស់គាត់ឡើងវិញបន្ថែមទៀតព្រោះគាត់បានជួបនឹងសម័យខ្លួនដែលជាសាក់សីនោះហើយសូមអរគុណចុះលោកមានបាននិយាយមិញអំពីមានសាក់សីណាម្នាក់ទៀតគ្រប់គ្រងនឹងអង្គហេតុនឹងដែរទេអង្គហេតុដែល ដែលមានការបង្ហាញនៅក្នុងក្តីសំឋានជំនឿជំរះហើយមានឹកមិនមានដើម្បីយើងសម្រេចដើម្បីយើងសម្រេចបញ្ហានេះរួចនៅបញ្ហាសាក់សីទៀតអូនៅមានថាសាក់សីទៀតព្រោះថាថ្មីថ្មីវាត្រូវតែសម្រេចទទួលឬក៏មិនទទួលតែសូមអរគុណចំណុចហ្នឹងដែរគេបាទសូមសាសុំឲ្យលោកប្រធានសម្រេចថាតើលោកប្រធានទទួលយកការ ស្នើសុំពីកូនក្តីដែលមានលេខ EP32ដែលគាត់សុំដាក់បណ្ដឹងតកតងនឹងបទល្មើសធ្វើទារុណកម្មហើយរំលោភសេពសន្តិវៈបាទសូមអរគុណអញ្ជើញលោកចក្រមសង្មាក់ Je vais essayer de clarifier un petit peu. Je peux comprendre que l'origine de la difficulté dont on est saisi aujourd'hui, c'est d'établir la recevabilité de la conscience de partie civile de votre cliente. Ou alors est-ce qu'il s'agit encore de quelque chose complètement différent? Est-ce que je peux comprendre un moment que vous sollicitiez éventuellement que l'on rappelle peut-être un témoin pour qu'il établisse que la cliente a été éventuellement détenue à S21? Ou est-ce qu'il s'agit de voir établir des faits dont on a, que l'on n'a pas encore évoqué du tout? Et qui ne ressortent ni de l'ordonnance de renvoi, ni des débats jusqu'à présent. សមគុណលោកប្រធានខ្ញុំបាទសូមជម្រាបបន្ថែមថានេះជាអង្គហេតុតកតងគ្នាខ្ញុំបាទធ្វើសំណើដោយរួមទាំងមេធាវីស៊ីលគិរុតស៊ីនស្គីបានដាក់សំណើរួចហើយហើយខ្ញុំបាទគ្រាន់តែស្នើសុំឲ្យលោកប្រធានសម្រេចឡើងវិញបើនិយាយឲ្យខ្លីគឺបានសរសេររួចហើយខ្ញុំបាទមិនចាំនៅក្នុងលេខដែលវាយត្រាចូលនៅក្នុងនោះទេបាទព្រោះខ្ញុំបាទបានទទួលព័ត៌មាននៅលោកប្រធានជម្រាបថានេះជាចុងក្រោយហើយតកតងនឹងដើមបណ្ដឹងអញ្ចឹង ខ្ញុំបាទសូមឲ្យលោកធានសម្រេចថាទទួលយកបណ្ដឹងរបស់គាត់ដើម្បីហៅយកសាក់សីដែលគាត់មើលឃើញថាអ្នកនោះហើយពិតជាកងការពារនៅ
ដែលរំលោភសេពសន្តិវៈទៅលើខ្លួនគាត់ហើយគាត់មិនបានឆ្លើយបំភ្លឺដោយសារការខ្មាស់អៀនជូនអង្គសាវនាការអញ្ចឹងពេលនេះចុងក្រោយខ្ញុំបាទតាងនាមរបស់គាត់សុំឲ្យលោកប្រធាននិងអង្គសាវនាការទទួលយកការស្នើសុំរបស់គាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអំពីការរំលោភសេពសន្តិវៈនេះមកបំភ្លឺនឹងហៅសាក្សីនោះមកតទល់ជាអសាធារណៈបាទសូមអរគុណ បាទឥឡូវនេះដល់ម៉ោងត្រូវសម្រាប់អង្គជំរះប្រកាសសម្រាប់20នាទីពីពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង11សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីតំណើរការនិតិវិធីសន្និការសូមអញ្ជើញក្រុមជើង